Soyez les bienvenus dans la leçon nombre premier dans la partie 2. Les points qu'on va traiter d'abord, c'est une approximation des nombres premiers. Donc là, il s'agit de trouver une approximation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un x, un réel quelconque, et je veux voir quels sont les nombres premiers inférieurs strictement à x, inférieur ou égal à x, si x est un entier. Et là, il s'agit de trouver une formule qui peut me donner le nombre de nombres premiers qui sont inférieurs strictement à x. Ensuite, on va donner un postulat de Bertrand qu'on va détailler plus tard. Troisième point, c'est de donner des corollaires toujours autour de la notion d'approximation du nombre premier. Et le point qui permet de calculer la probabilité de tirer un nombre premier. Le quatrième point, c'est le théorème de Dirichlet qu'on va énoncer et on va essayer d'utiliser ce théorème par la suite. Enfin, le théorème de Wilson qui permet de donner des résultats intéressants sur les nombres premiers. Donc, approximation des nombres premiers. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, il est dû au Hadamard et de la Vallée Poussin. En 1896, ils ont introduit cette notion qui s'appuie sur quoi? Si l'on note par pi de x, pour un x, une variable donnée, le nombre de premiers qui sont inférieurs ou égaux à x. On cherche quel est le nombre de nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à x et qu'on l'a noté par pi de x. On peut directement, grâce au résultat de ces savants Hadamard et de la Vallée Poussin, ils ont montré que pi de x n'est rien d'autre qui est équivalent à x sur log de x. Qui revient à dire quoi? Que la limite quand x tend vers l'infini, le pi de x divisé par x qui est divisé par log de x n'est rien d'autre que la valeur 1. C'est-à-dire le point limite de pi de x divisé par x qui est divisé par log de x est égal à 1 quand x devient assez grand. Et ça, c'est une approximation de le nombre de nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à x. Donc, une meilleure approximation que celle donnée par x log de x, je vais le présenter dans ce slide. Une meilleure approximation de pi de x, pi de x, n'oubliez pas que c'est le nombre de nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à x, meilleur que celle qu'on vient de présenter, c'est-à-dire x divisé par log de x, est donné par la fonction intégrale logarithmique, c'est-à-dire que j'ai noté par li de x, c'est l'intégrale pour un x donné, c'est l'intégrale de 2 à la puissance x sur log de t dt. Cette quantité-là est une meilleure approximation du nombre premier inférieur ou égal à un x donné. Résultat conjectural, le rapport, en fait, l'écart entre pi de x et le li de x est une fonction dominée par x à la puissance 1 demi log de x, c'est-à-dire la racine de x log de x, qui revient à dire quoi? C'est-à-dire qu'il existe une fonction u bornée au voisinage de l'infini, tel que pi de x moins li de x n'est rien d'autre que le produit de cette fonction bornée au voisinage de l'infini, multiplié par x à la puissance 1 demi log de x au voisinage de l'infini. Je vais m'expliquer un petit peu, c'est quoi une fonction bornée? Une fonction bornée, ça veut dire que à l'infini, c'est une fonction, puisque c'est une fonction, donc il a pour chaque x, on lui associe i de x. Au voisinage de l'infini, quand x devient assez grand, i de x est inférieur à certains m réel donné. C'est ça ce que ça veut dire que i est borné à l'infini. Borné, ça veut dire qu'il est majoré et minoré. Il a un minorant et un majorant. Et le fait de dire que au voisinage de l'infini, pi de x moins l de x, son comportement, le comportement de l'écart entre pi de x et l de x n'est rien d'autre que cette fonction bornée multipliée par x à la puissance 1 demi fois log de x quand x devient assez grand. Ça, c'est une autre approximation de pi de x. Maintenant, on va donner un postulat de Bertrand qui consiste à dire quoi?
entre tout entier n, c'est strictement à 1 et 2n, il y a toujours un nombre premier autrement, je peux le dire, c'est-à-dire entre n, c'est strictement à 1, entre n et 2n, j'ai toujours au moins un nombre premier. Et on va le caractériser comme ça, pi de 2n moins pi de n, c'est ou égal à 1, pour n, c'est ou égal à 2. C'est-à-dire le nombre de nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à 2n moins le nombre de nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à n, et cet écart est toujours supérieur ou égal à 1 pour n qui dépasse ou égal à 2. Donc, je résume, ça, entre n et 2n pour n supérieur à 1, j'ai toujours un nombre premier entre les deux. Un nombre premier qui réalise ça, en fait, que le nombre pi de 2n moins pi de n est supérieur ou égal à 1 pour n supérieur ou égal à 2. Et la démonstration de cette proposition est donnée par Tchibyshev en 1852. Donc ça, c'est un résultat connu qu'on peut utiliser. Corollaire, on va donc énoncer quelques corollaires sur la notion d'approximation de nombre des nombres premiers inférieurs ou égal à un certain x, x prêt au départ, choisi arbitrairement. Donc on va dire, le premier corollaire, le n-ième nombre premier qu'il faut calculer, si pour un n donné, je vais désigner par pn le n-ième nombre premier. Le théorème des nombres premiers donne que l'approximation du nombre premier inférieur ou égal à n, ou bien le n-ième nombre premier, est équivalent à n log de n. Donc il suffit de calculer n log de n, et j'aurai une approximation du nombre des nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à n. OK. Maintenant, on va voir quelle est la probabilité de tirer un nombre premier. C'est-à-dire, je vais calculer une probabilité sur laquelle j'aurai, en fait, la probabilité d'avoir, je tire parmi des nombres, je fais un tirage, et quelle est la probabilité pour que ce que je viens de retirer, c'est un nombre premier. Donc, si n un entier, puisque j'ai une approximation du nombre de nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à n, qui n'est rien d'autre que n divisé par log de n, des n entiers inférieurs à n sont premiers. C'est-à-dire, j'ai n sur log de n nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à mon n. Théorème des nombres premiers, la probabilité que l'un d'entre eux soit premier est donc 1 divisé par log de n. Donc, je fais un tirage parmi n entiers, j'aurai une approximation du nombre premier qui sont inférieurs ou égaux à 1, je sais qu'ils sont de l'ordre de n log de n. Alors, la probabilité d'avoir un de nombres que je viens de tirer parmi n, la probabilité qu'il soit premier, c'est 1 sur log de n. Donc 1 sur log de n, c'est la probabilité pour que le tirage que je viens d'effectuer parmi n entiers soit un nombre premier. Et j'utilise toujours la première approximation du nombre du nombre premier inférieur ou égal à n donné. Exemple, sur un nombre de 100 chiffres, a une chance sur log de 10 à la puissance 100, c'est-à-dire, il me donnera 230 d'être premier. Donc, je prends un nombre constitué de 100 chiffres. Et là, une chance pour qu'il soit tiré un nombre premier, parmi les 100 chiffres, c'est un nombre constitué de 100 chiffres sur lequel je peux dire que c'est un nombre premier. Et là, une chance sur log de 100, log de 10 à la puissance 100, c'est-à-dire une valeur de 230 d'être un nombre premier. Donc, on va voir, en fait, une autre formule d'approximation du nombre de nombres premiers inférieurs ou égaux à un certain n donné. Il s'agit de la formule que je vais présenter sur ce slide. Une formule pour PIN, je vais poser, on va prendre, notons par f de g, n'est rien d'autre que cosinus au carré de quoi? De pi de i, de quoi? Du réel g moins 1 factoriel plus 1, le tout divisé par g. C'est-à-dire pour chaque g donné, je peux donner naissance à un nombre
qui s'écrit en fonction de factoriel, c'est-à-dire g moins 1 factoriel plus 1 divisé par g. Ça, c'est un réel et je peux calculer pi de x. Rappelez-vous que pi de x, je peux l'approcher par x log de x, comme une première approximation. Et on a dit qu'on a une autre approximation, une meilleure approximation que celle donnée par x log de x, c'est celle définie par l'intégrale logarithmique. Donc, il s'écrit comme étant cosinus carré de pi de cette quantité-là, x, j moins 1 factoriel plus 1 divisé par g. Par Wilson, il a réussi à démontrer que pour g supérieur ou égal à 1, f de g est égal à 1 si g est premier. Et 0 dans le cas contraire. C'est-à-dire que cette quantité-là que je viens de poser, pour g supérieur strictement à 1, f de g, c'est une fonction qui prend 1 si g est un nombre premier, et 0, c'est non. Donc il a deux valeurs, soit 0, soit un nombre premier. Si g est premier, il prend la valeur 1. Si g n'est pas premier, alors il prend la valeur 0. Ma fonction, il prend soit la valeur 1, 0, soit la valeur 1. Donc c'est une fonction qui est discrète, qui prend deux valeurs, soit 0, soit 1. Il prend 0 dans le cas où la valeur f de g, g que je viens de chercher à trouver sa valeur, c'est quand g n'est pas premier, donc c'est 0. Quand g est premier, je donne la valeur 1. Donc d'où pi de n, par le biais de ce comportement qui a été donné par Wilson, je peux dire que pi de n, c'est moins 1 plus la sommation de g allant de 1 à n de mes fg. C'est-à-dire, je peux réécrire, en fait, je peux écrire d'une façon explicite l'approximation du nombre premier qui sont inférieurs ou égaux à n par cette sommation que je viens d'écrire ici, c'est-à-dire moins 1 plus la sommation de j allant de 1 à n de mes f de g. Il suffit que je calcule fg pour f de 1, f de 2 jusqu'à f de n. Et ensuite, je retranche 1 pour donner la valeur de pi de n. Et ça, il est dû à Williams, en 1964. Donc, j'aurai une autre approximation du nombre premier qui sont inférieurs ou égaux à n, n données. Donc, un résumé de tout ça. On a défini c'est quoi une approximation du nombre premier qui sont inférieurs ou égaux à x par la donnée de la fonction pi. Et on a dit que cette fonction pi n'est rien d'autre. Il a un comportement équivalent de x sur log de x quand x devient assez grand. Et on a dit qu'on a une meilleure approximation de cette fonction pi de x en utilisant l'intégrale logarithmique, c'est-à-dire l'intégrale de 2 à la puissance x sur log de t des 2t. Ensuite, on a dit qu'on peut améliorer, en fait, on a introduit une nouvelle variable auxiliaire qu'on a notée par f de g et qui est décrit comme étant cosinus carré de pi de j moins 1 factoriel plus 1 divisé par g, et on a dit que le pi de n il devient rien d'autre que moins 1 plus une sommation discrète g allant de 1 à n de f de g. Il suffit d'évaluer f au point g égale à 1, 2, 3 jusqu'au n, et je retranche 1 pour avoir la valeur de pi de n qui est l'approximation de mon nombre de nombres premiers qui sont inférieurs ou égaux à n. Ok, maintenant, que peut-on dire de la différence qu'on a notée par dn, qui est pn plus 1 moins pn, c'est-à-dire pn, c'est le n plus 1ème premier, nombre premier, et pn, rappelez-vous qu'on a noté que c'est le n-ième nombre premier. On veut dire quelle est la différence entre le n plus 1ème nombre premier et le n-ième nombre premier, c'est-à-dire entre deux nombres consécutifs. Quelle est la différence entre les deux nombres premiers consécutifs? Disons, dn, c'est la différence entre pn plus 1 moins pn, et qu'on essaye de trouver sa valeur. Dn peut être arbitrairement grand, il peut être assez grand entre n et le n-ième nombre premier, le n plus 1-ième nombre premier, il peut y avoir un nombre important de valeurs entre les deux, sans qu'on tombe sur un nombre premier. C'est-à-dire le prochain nombre premier a une longueur et une distance beaucoup plus grande de n, ce qui est traduit ici.
En effet, pour tout n supérieur strictement à 1, il existe une succession de moins n entiers consécutifs non premiers. C'est ça ce que ça veut dire. J'ai un n-ième nombre premier, j'ai une succession de nombres qui ne sont pas premiers, et une succession importante de nombres non premiers, jusqu'à ce que je tombe de nouveau sur un autre nombre premier. Je vais donner cette succession de nombres non premiers. Il s'agit en fait de prendre l'exemple qui est écrit ici, c'est-à-dire n plus 1 factoriel plus 2, factoriel plus 3, n plus 1 factoriel plus, jusque plus n plus 1. C'est-à-dire à chaque fois, j'ajoute 2, 3 au terme n plus 1 factoriel. Donc ça, c'est le nombre, combien de termes? Je suis parti de 2 jusqu'au n plus 1. Donc n plus 1 moins 2 plus 1. Ne sont pas des entiers qui ne sont pas des entiers premiers. OK? Maintenant, le nombre premier en progression arithmétique, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? J'ai un nombre premier, j'ajoute une différence d, et j'ai n plus d, ça reste toujours un nombre premier. Donc ça, c'est un résultat qu'on a cherché à trouver. En partant d'un nombre premier, quelle est la raison arithmétique sur laquelle je peux à chaque fois d'une itération à une autre augmentée de d, je tombe de nouveau sur un autre nombre premier, ou mes suites, ce sont des nombres premiers. Rappelez-vous qu'une suite arithmétique, c'est-à-dire qu'elle a une raison, je peux à chaque fois augmenter, pour avoir un petit peu la différence entre le n-ième nombre premier et celui de n plus 1-ième place. Dirichlet a démontré en 1837 qu'il y a une infinité de nombres premiers en progression arithmétique. Donc on va énoncer ce théorème de Dirichlet. Le théorème de Dirichlet nous dit que si je prends un d supérieur ou égal à 2 et un a différent de 0 sont premiers entre eux, alors la progression arithmétique, ça serait a plus d, a plus 2d, a plus 3d, etc., qui contient une infinité de nombres premiers. Donc, en partant de quoi? En partant d'un d qui est supérieur ou égal à 2 et d'un nombre a différent de 0 qui sont premiers entre eux. Premier entre eux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le plus grand diviseur commun de a et d égale à 1. Alors, je peux construire une suite arithmétique de raison d, c'est-à-dire le premier nombre premier c'est a, le second c'est a plus d, le troisième, c'est A plus 2D, ainsi de suite. Comme ça, je viens de construire une infinité de nombres premiers. Donc, le nombre premier, en fait, le nombre de nombres premiers est infini. Curiosité, on va essayer de voir un petit peu qu'un polynôme ayant une longue série de valeurs premières, à savoir le polynôme que je vais écrire dans le slide suivant, le polynôme d'Euler, dit polynôme d'Euler, le polynôme qui s'écrit comme étant x au carré plus x plus 41. Qu'est-ce que ça veut dire? Que quand x égale à 0, la valeur associée, c'est-à-dire 0 au carré plus 0 plus 41, 41 est un nombre premier. C'est-à-dire, mon polynôme, en chaque x donné, sa valeur x au carré plus x plus 41 n'est rien d'autre qu'un nombre premier. On va vérifier ça. Prends ces valeurs premières. Pour les 40 valeurs, donc les premières 40 valeurs, ce sont des nombres premiers. Pourquoi? Je prends x égale à 0, j'aurai 41. Je prends x égale à 1, donc j'aurai 1 au carré plus 1, donc ça fait 43, ainsi de suite. Donc si je prends les valeurs au point 0, 1, 2, 39, pour 40, la valeur est 41 au carré. Donc, il prend ces valeurs premières pour les 40 valeurs 0, 1, 2, 30 jusqu'au 39. Si je vais évaluer x au carré plus x plus 41 en ces points-là, et pour la valeur 40, on va retrouver que c'est 41 au carré, sa valeur est 41 au carré. Donc, curieusement, ces valeurs, il prend les 40 premières nombres premiers, ce sont des nombres premiers, c'est-à-dire la valeur au point 0, la valeur au point 1, la valeur au point 2, jusqu'à la valeur au point 39, ce sont bien des valeurs des nombres premiers. OK? Maintenant, je vais énoncer le théorème de Wilson et on va dire c'est quoi ce théorème de Wilson.
qui se traduit par soit P premier. Il s'agit de démontrer que P moins 1 factoriel est congru à moins 1 modulo P. Je vais introduire une nouvelle notion de congruence, dire qu'un nombre premier A est congru à B modulo N, si seulement si A moins B, en fait A et B, ils ont le même reste dans leur division, dans leur division par N. C'est-à-dire si je divise A par N et B par N, j'aurai le même reste. C'est-à-dire, autrement dit, A est congru à B modulo N revient à dire que A moins B est égal à K fois N. Tout simplement, A congru à B modulo N, tout simplement, c'est A moins B égal à une constante K fois N. Et là, si je prends P un nombre premier, le théorème de Wilson me dit que je peux démontrer que j'ai une congruence entre P moins 1 factoriel moins 1 modulo P. Ça veut dire que si je fais P moins 1 factoriel plus 1, ça serait P moins 1 factoriel et moins 1, ils ont le même reste dans leur division de par P. Donc, preuve, on va démontrer ça. D'après le petit théorème de Fermat qui me dit que 1, 2, moins 1, racine de x, P moins 1, congrès à 1 modulo P. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je cherche un x tel que x à la puissance P moins 1, moins 1, avec 1, et le, moins 1 égale à une constante fois P. Donc, ça veut dire que les seules racines de cette équation x à la puissance P moins 1 égale à, congrès à 1 modulo P a pour racine 1, 2 jusqu'au P moins 1. Donc, j'ai P plus 1. Donc, j'ai P racine de cette équation x à la puissance p moins 1 congrue à 1 modulo p. Donc là, c'est le théorème de Fermat qu'on va admettre le théorème de Fermat qui permet de prouver le théorème de Wilson qu'on a énoncé tout à l'heure. Donc ce polynôme ne peut avoir plus de racines modulo p. Pourquoi? Parce que p est premier. Que son degré, donc rappelez-vous que si j'ai un polynôme de degré n, et là, n au plus n racine. Là, je cherche le racine d'un polynôme donné comme étant x à la puissance p moins 1 congrès à 1 modulo p. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai au plus le degré, le polynôme est de degré p moins 1, donc j'ai au plus p moins 1 racine. Alors là, j'ai au plus P moins 1 racine, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux écrire X à la puissance P moins 1 comme étant X moins 1 fois X moins 2 jusqu'à X moins P moins 1 modulo P. Puisque j'ai comme racine 1, 2 jusqu'à P moins 1, je ne peux pas avoir autre racine que son degré qui est P moins 1. OK? Donc ça c'est un résultat très intéressant. Avec P premier, X à la puissance P moins 1 congrès à 1 modulo P, et là, il a comme racine 1, 2, 3 jusqu'au P moins 1. Donc ce polynôme ne peut avoir plus de racines modulo P, puisque P est premier. OK? En comparant les termes constants, qu'est-ce qu'on vient? En comparant le terme constant, on obtient quoi? Moins 1 n'est rien d'autre qu'une congruence à moins 1 à la puissance P moins 1, P moins 1 factoriel, modulo P. Donc, moins 1 à la puissance P moins 1 fois P moins 1 factoriel, modulo P, qui s'écrit aussi comme étant P moins 1 factoriel, modulo P, parce que ça, c'est à une coefficient multiplicative près. Donc, on a la congruence est toujours vérifiée. Donc, j'aurai P moins 1 factoriel, modulo P. Donc, j'aurai moins 1 est congrès à P moins 1 factoriel modulo P. Car ou bien P égale à 2, ou bien P est impair. Donc si P égale à 2, donc ça veut dire 2 moins 1, qu'est-ce que j'aurai? P premier. Donc on démarre avec la valeur 2. Si P égale à 2, donc j'aurai 2 moins 1, ça fait 1, donc j'aurai moins 1. Donc j'aurai finalement P moins 1 factoriel modulo P. Et les nombres premiers, autre que 2, ce sont des nombres qui sont impairs. Comme P est impair, P moins 1 devient pair, et moins 1 à la puissance d'un nombre pair, c'est toujours 1.
Donc j'aurai P moins 1, donc moins 1 est congrué à, modulo, à P moins 1 factoriel modulo P. Donc ça, c'est la démonstration pourquoi j'ai moins 1 congruent à P moins 1 factoriel modulo P. Je viens de dire qu'on a démarré avec P premier. P premier, donc le plus petit nombre premier, c'est 2. Si P est 2, donc 2 moins 1, j'aurai moins 1 moins 1, donc je peux dire que c'est P moins 1 factoriel modulo P. Et si P est différent de 2 et comme P est premier, donc les seuls, tous les nombres premiers qui sont supérieurs strictement à 2, ce sont des nombres impairs. Donc un nombre impair que je retranche 1, il devient pair, donc moins 1 au carré, j'aurai P moins 1 factoriel modulo P. Donc on vient de démontrer ce théorème dans son sens direct. OK? Maintenant, je vais essayer de montrer la réciproque. Réciproque du théorème de Wilson. Et on va faire la démonstration du théorème, de la réciproque du théorème de Wilson grâce à une méthode de contraposé. Donc, on va essayer de prouver si je suppose que si n supérieur strictement 1 est non premier, alors n, comme n est supérieur strictement 1 et je viens de dire qu'il n'est pas premier, s'il n'est pas premier, il est composite. S'il est composite, il peut s'écrire au moins sous forme de produit de deux facteurs. Donc, c'est pour cela que je viens d'écrire n égale à p fois q. P et q sont des entiers compris entre 1 et n moins 1, puisque je parle de n égale à le produit de pq. Donc, p et q sont inférieurs, compris entre 1 et n moins 1. Donc, d'après cette écriture, je peux dire que q divise n. Et s'il divise n, rappelez-vous que si p divise q, je peux multiplier par un nombre m, la divisibilité ne change pas. C'est-à-dire q divise a divise p, alors a divise kp, pour k entier quelconque. Donc en particulier pour, je vais montrer que q divise également n moins 1, parce que je peux multiplier par n moins 1, je peux multiplier par n moins 2, par n moins 3, par jusque valeur n. Je peux multiplier ici par n moins 2 factoriel. Et j'aurai q divise n fois n moins 2 factoriel. Donc il s'agit de n moins 1 factoriel. Donc q divise aussi n moins 1 factoriel. Car, je m'explique, car n moins 1 factoriel n'est rien d'autre que par définition 1 fois 2 fois jusqu'à n moins 1. Et q est inférieur ou égal à n moins 1. Q est inférieur ou égal à n moins 1. Ça, c'est par hypothèse. Donc, vous voyez très bien que là, quand on écrit n sous forme de produit de deux facteurs, on a déjà q qui est une valeur entre 1 et n moins 1. OK? Donc, j'ai q divise n. J'utilise la propriété de divisibilité qui me dit que q divise n, donc il divise n'importe quel entier m fois n. Donc, je peux multiplier par cette quantité-là, 1 fois 2 fois n moins 2. Et j'aurai q divise n moins 1 factoriel. OK? Donc n moins 1 factoriel est non congru à moins 1 modulo n. N moins 1 factoriel non congru à moins 1 modulo n, puisqu'on vient de démontrer que q divise n moins 1 factoriel. Et n n'est rien d'autre que, qu'est-ce qu'on a dit, p fois q. Q divise n moins 1 factoriel, donc il n'est pas congru à moins 1 modulo n. Car sinon, si cette condition de congruence n'est pas respectée, c'est-à-dire que n moins 1 factoriel est congru à moins 1 modulo n, donc il va exister k tel que n moins 1 factoriel plus k fois n égale à moins 1. Ben, la même chose, qu'est-ce que j'ai dit? Je dis, je prends cette quantité-là, j'ajoute 1, c'est un multiple de n. Donc n moins 1 factoriel plus k fois n égale à moins 1. Du fait que j'ai la congruence de la quantité n moins 1 factoriel à moins 1 modulo n, j'ai cette égalité. Et qu'est-ce que je peux dire? Et comme q diviserait n moins 1 factoriel, rappelez-vous, donc q divise n et divise n moins 1 factoriel, donc il divise la somme. Rappelez-vous que si a divise b et a divise c, alors a divise b plus c. Donc c'est un résultat qu'on a déjà démontré.
par hypothèse, Q divise N, donc il divise K fois N, et on a montré que Q, puisqu'il divise N, il divise aussi N moins 1 factoriel. Donc il divise la somme de deux quantités-là. Donc Q divise moins 1. Q divise moins 1. Donc voilà, je vais tomber sur une contradiction. Une autre façon de démontrer ce théorème, ou bien la réciproque du théorème de Wilson, consiste à faire quoi? À remarquer que si n moins 1 factoriel est congruent à moins 1 modulo n, alors je peux multiplier par moins 1 et la congruence ne change pas. J'aurai moins 1 que multiplier n moins 1 factoriel est égal à 1 modulo n, que l'on peut écrire sous cette forme. Donc moins 1, je vais développer, je remplace n moins 1 factoriel par sa définition. C'est 1 fois 2 jusqu'au fois n moins 1. 1 reste tel quel, modulo n. Donc j'aurai à bien écrit cette quantité-là congruée à 1 modulo n. OK? Cela montre que tout élément non nul est inversible modulo n. C'est-à-dire, c'est quoi inversible? C'est-à-dire que je peux trouver un entier tel que le produit de A fois B est égal à 1 modulo n. C'est ça ce que ça veut dire. Elle est inversible modulo n. Donc z sur nz, c'est-à-dire l'ensemble des classes qui sont définies par la relation d'équivalence qui est la congruence, est un corps. Et donc que n est premier. Donc on vient de. Que n est premier. Ensuite, on va présenter une équivalence dite de Goldbach qui est donnée par. Et la première chose, c'est G, c'est tout entier n supérieur ou égal à 5, et la somme de trois nombres premiers. Hein? Je prends un entier qui est supérieur ou égal à 5, je peux l'écrire sous forme de la somme de trois nombres premiers. La deuxième, tout entier pair qui est 2n supérieur ou égal à 4, un nombre pair qui dépasse, un nombre pair qui dépasse 4, et la somme de deux nombres premiers. Donc, pour n supérieur ou égal à 5, je peux l'écrire sur la forme de la somme de trois nombres premiers. Et pour un nombre pair qui dépasse 4, je peux l'écrire sous la forme de la somme de deux nombres premiers. Pardon. Donc, je vais montrer que la proposition G' implique G. C'est-à-dire, ce qu'on cherche à démontrer par là, c'est que j'ai une équivalence entre G et G'. Entre le fait que si un nombre premier, un nombre pair qui dépasse 4, je peux l'écrire sous la forme de la somme de deux nombres premiers. Et si je vais voir que est-ce que G' implique G. C'est-à-dire, je prends 2n moins 2, que je peux l'écrire sous la forme, puisqu'il s'agit là, pour n supérieur ou égal à 2, j'aurai un nombre qui est paire qui dépasse 4, donc d'après la proposition G', je peux l'écrire sous la forme de P plus P'. OK? Où P et P' sont premiers. OK? Ça, c'est la proposition G', qui me dit que si j'ai un nombre pair qui dépasse 4, supérieur ou égal à 4, je peux l'écrire sous la forme de nombre premier. En l'écrivant sous la forme de la somme de nombre premier, je peux faire passer la valeur 2 de l'autre côté, j'aurai 2n égale à 2 plus p plus 2 plus p'. P et p', c'est un nombre premier. 2, on a déjà montré que c'est un nombre premier. Et si je vais ajouter 1 à droite et à gauche, j'aurai 2n plus 1 est égal à 2 plus 1, ça fait 3, plus p plus p'. Donc là, 2n plus 1 égale à 3 plus p plus p'. Rappelez-vous, 3 est un nombre premier qu'on a déjà démontré, parce que ses seuls diviseurs, c'est 1 et 3. P et P', à l'issue de la proposition G', sont déjà des nombres premiers. Donc je me retrouve avec la somme de 3 nombres premiers. Et 2n plus 1, quel que soit n, c'est peut-être 2n plus 1, quel que soit n entier, 2n plus 1 est un nombre impair. Donc un nombre impair. On vient de montrer qu'il s'écrit bien sous la forme de la somme de trois nombres premiers, ce qui démontre G. Donc en partant de G'.
Je viens de démontrer que j'ai la proposition G, c'est-à-dire que un nombre impair s'écrit toujours comme la somme de trois nombres premiers. OK? Donc là, je vais montrer l'implication inverse. Donc si 2n est supérieur ou égal à 4, donc je fais l'hypothèse que j'ai pris un nombre pair qui dépasse 4. Donc si j'augmente 1, donc il devient un nombre impair. Et d'après l'hypothèse G, il peut s'écrire sous forme de trois nombres premiers, où P, P prime et P seconde sont premiers. Un de ces premiers est alors nécessairement pair. Parce que, par exemple, comme la somme de trois nombres est un nombre, et la somme d'un nombre pair et d'un nombre impair et d'un nombre pair, donc l'un de ces nombres premiers est pair. Donc il est nécessairement est égal à, parce que le seul nombre premier qui est pair, c'est P seconde égal à 2. Donc 2 fois n égale à P plus P prime, donc on vient de montrer que P seconde égale à 2, je vais la faire passer de l'autre côté, j'aurai 2n est égal à P plus P prime, ce qui termine la démonstration que le nombre pair dépasse 4 et la somme de deux nombres premiers. Proposition, un élément x est un carré modulo un nombre premier, impair si seulement si x à la puissance p moins 1 divisé par 2 est égal à 1. Ensuite, je vais démontrer ce résultat. Il y a au plus p moins 1 divisé par 2 éléments vérifiant cette égalité, car ce sont les racines d'un polynôme de degré p moins 1 sur 2 dans un corps. Donc p moins 1 sur 2, ce sont les racines d'un polynôme de degré p moins 1 divisé par 2. Proposition, moins 1 est un carré modulo p, premier impair, si seulement cp est congruent à 1 modulo 4. Moins 1 est un carré modulo p, premier impair, si seulement si, hein, je prends un p premier qui est impair, alors p est congruent à 1 modulo 4. Preuve, moins 1 est un carré modulo p, si seulement c'est moins 1 à la puissance p moins 1 divisé par 2 est congruent à 1 modulo p, d'après la proposition précédente. Si seulement c'est p moins 1 divisé par 2 est pair. Si seulement c'est p est congruent à 1, modulo 4. Parce qu'un nombre pair peut s'écrire sous la forme, s'il dépasse 4, sous la forme de deux nombres premiers. Donc p est congruent à 1, modulo 4. Proposition, il existe une infinité de premiers de la forme 4 fois 1 plus 1. Donc il existe une infinité de nombres premiers qui s'écrivent sous la forme de 4m plus 1. OK? Théorème fondamental d'arithmétique qui conduit à dire tout entier non nul peut s'écrire de manière unique à l'ordre des facteurs près comme produit de nombres premiers. C'est ça le résultat de fondamental d'arithmétique. Chaque nombre premier non nul, chaque entier non nul peut s'écrire sous la forme d'une, sous la forme de manière unique sous la forme de produit de facteurs premiers. Donc, preuve, supposons qu'il existe un entier qui ne s'écrive pas comme produit de nombres premiers, soit n le plus petit de tel entier. Donc, puisque n n'est pas premier, il s'écrit sous forme de produit de deux entiers, n et m. M et n sont inférieurs entre 1 et n. Par définition de n, les entiers m et n sont des produits de nombres premiers. Et donc, n égale à grand n égale à petit n fois m aussi, ce qui conduit à une contradiction. Donc, si vous avez besoin d'avoir des compléments de cours, n'oubliez pas de consulter le site web de Net2Know en cliquant sur MedNetU et merci.